Ben là, en fait, là, t'as Philippe qui s'en va en skidoo. Oui. Avec Karine? Oui. Non, c'est pas avec Terry Lopez, je pense. Oui, c'est Terry Lopez qui est la plus dure à avoir. Qu'est-ce que t'as? Je te plais pas. Bien sûr que tu me plais, mais je peux pas faire l'amour comme ça. Quoi, Steve? Tu es aux femmes? Puis là, ils vont en moto, puis là, dans le fond, elle dit on va aller dans un petit coin tranquille. Baisse tes culottes. Baisse tes culottes. Pardon? Baisse tes culottes. Oh, tu veux rire? Baisse tes culottes. Ben, c'est que là, t'as un petit coin tranquille. Et son petit coin tranquille, c'était 5 pieds en avant dans le banc de neige. Exactement. Puis là, ça ressemble à une vieille pub de skido avec Gilles la Tulipe. Ça faisait penser à ça. Ah ouais? Dans la même époque, à peu près. J'imagine mal Gilles la Tulipe dans ce film-là. Gilles la Tulipe qui disait à quelqu'un, ben, c'était culotte. Ça serait ben, c'était culotte. Et maintenant, chez nous, c'est skidoo. Partout, c'est skidoo. Baisse tes culottes. Oh, tu veux rire. Baisse tes culottes. Donc, intro de René Angélil et Pierre Labelle qui s'en vont vers l'hôtel, puis eux autres ouais. vont juste fourrer. Puis il y a comme une espèce de vibe de film de stoner, j'ai l'impression. Un peu, on dirait, hein? il manquait juste Neil Patrick Harris en arrière qui veut aller. Dis le don, Anto, ah ouais. On pourrait s'arrêter dans un bar de striptease et prendre quelques salopes. Le doogie fait toujours mouiller les stripteaseuses. Dans sa 10. Dans sa 10. Il y a la fameuse scène, la scène la plus célèbre d'après-ski avec René Angélil qui parle avec son ami attardé. Puis il en mangeant un sous-marin, puis il dit que comment se pogner des filles. Là, tu la mets dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Puis son ami qui ouais, dit, c'est pas trop clair, c'est quoi sa stratégie? C'est genre, non. Tu l'amènes puis tu l'assommes. Ouais, puis son ami, pour vrai, il parle, tu sais, il répond pas des mots. Tu sais, il est juste comme. Parce que le film il a quand même été redoublé. Ouais. Le son est pas. J'ai l'impression qu'il a comme exagéré au redoublage.